MCB Show. Attention. J'ai sorti un bon nombre de mixtapes, dont une que vous avez sous les yeux, qui est sortie au mois de mai, qui s'appelle MCB Show Volume 1, qui regroupe un peu tous les styles de musique. Donc voilà, j'ai toujours essayé de faire plusieurs volumes qui regroupent soit un style de musique prédéfini, par exemple le R&B soul ou le R&B mélangé au hip-hop, ou comme MCB Show qui regroupe la musique orientale, R&B, reggaeton, très clubbing, qui s'ouvre sur un public bien plus large, puisqu'il n'est pas prédéfini sur un style de musique qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Pour ce qui est, déjà, j'en parle, pour ce qui est de la musique marocaine, je trouve qu'il y a une grosse évolution, même en termes de rap marocain, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des musiques qui s'ouvrent du rap marocain jusqu'à d'autres pays du Maghreb, ou du moins sur la France, puisque c'est des sons qui viennent jusqu'à mes oreilles. Donc félicitations, c'est un plaisir. Il n'y a jamais un show qui est préparé, puisque généralement c'est aussi bien, bon, après ils ont leur spectacle, mais ça se passe jamais vraiment comme on veut. Comme le public n'est jamais le même, puisqu'on n'est jamais plus ou moins au même endroit. Là j'imagine MCB, il écoute du Frank Sinatra en voiture. Strangers in the night, c'est vrai? Non. C'est possible, je suis pas au courant moi-même. Il faut savoir apprécier toutes les musiques. Voilà. Est-ce que tu vas préparer, ce que tu vas mixer aujourd'hui ou non? Donc j'ai un amour inexplicable pour le Maroc et pour sa musique. Donc disons que ce soir c'est mon cœur qui va parler, c'est mon cœur qui va mixer, donc ça va être fluide. Je vais me laisser guider et par les gens et par mes collègues aussi. Un dernier mot pour les auditeurs de l'émission Mosaïque. Voilà, alors surtout écoutez Radio Plus avec DJ Hassan sur l'émission Mosaïque, c'est de la bombe de balle. Merci. Just like that. Do you know what?
ça chatte. La chatte, la chatte, à la grand-mère. Creusez ma promenade, mais t'inquiète, je t'aime. Super, vraiment rien à dire, il a mis une ambiance de dingue. On est à Agadir et il nous a transportés. Super, franchement, faut aller le voir et un chouette gars en tout cas. Une très bonne prestation, il était proche de nous, proche du public.